J'ai rempli le premier tonneau de Belgian Owl le 29 octobre 2004 à 11h. Ici, nous travaillons avec une orge de terroir et nous travaillons avec 6 agriculteurs locaux en ce que j'appelle une forme de commerce équitable. En fait, c'est les agriculteurs qui fixent le prix de l'orge qu'ils vont nous vendre pour que nous puissions créer notre Belgian Owl. Ce qui fait de notre whisky Belgian Owl non seulement un whisky belge parce qu'il est distillé en Belgique, mais également un whisky de terroir parce que l'orge va puiser toute son authenticité sur le terroir de Hesbaye. Nous sommes sur la partie sèche de la Hesbaye, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y pleut jamais, bien sûr, mais simplement que nous sommes sur une nappe phréatique qui est à une profondeur d'environ 38 mètres. Ici, les tonneaux sont en fait au départ vides. Nous allons les remplir et pour être whisky, le produit, le distillat doit rester 3 ans dans les tonneaux. Minimum. Il peut rester plus longtemps, mais minimum 3 ans. Et pendant ces 3 années, voire plus, une petite partie va s'évaporer. Et on appelle ça la part des anges.